Elle a encore... Elle a faim. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vie. Encore une fois. Je pense qu'on va devoir manger. Parce que sinon, elle va perdre trop de calories. Elle va perdre trop de vie. Parce qu'on n'a pas assez de vie, là. Honnêtement, on n'a vraiment pas de vie. Faut qu'on récupère du bois aussi. Il faut qu'on fasse cuire tout ça. On a tellement de trucs à faire. On va retourner au lapin. On retourne au lapin. Donc le but va être de récupérer encore plus de lapins. Si possible. Comme ça on a les pots. Les boyaux aussi. Et sinon... récupérer le bois. Récupérer du bois. Je suis toujours à l'affût hein, du loup hein, qu'on a touché. Hein. Mais je sais pas où il est passé. Alors comme j'avais parlé déjà de la viande carnivore, genre par exemple des loups et tout ça, on va aller où? Ouais, peut-être aller là-bas, il y a des corbeaux. Il y a des nouveaux corbeaux. Ah. Ceux-là, hein. Pas ceux-là, on les connaît, mais ceux-là, non. Est-ce qu'on peut se réchauffer à l'intérieur? Non. Qu'est-ce que vous... Oh! Me dites pas que vous êtes autour du cadavre à l'intérieur. D'accord. Oh, un pied de biche! Ah, c'est énorme! On a un pied de biche. On avait fait ça. J'ai envie de retourner au barrage, moi. J'ai envie de retourner au barrage pour ouvrir les trucs qu'on pouvait pas là, les armoires. Non, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais attendez, la scie, elle est dans quel état la scie? 76%, ok. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'on allait... récupérer des bouts de métal, là c'est ce qu'on va faire. Allez, on retourne au barrage. On a de la viande sur... Non, on n'a pas beaucoup de... Non, on n'a pas de viande, mais on a des massettes sur nous. Donc ça va. Donc on peut passer une nuit tranquille. On n'en a pas beaucoup non plus. Hein, mais... C'est peut-être une connerie ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est peut-être une connerie. Je vais voir là si c'est pas là où qu'il y a les bungalows là. Et les trucs comme ça. On va voir.
Ok, les arbres coupent. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Parfait. Je me demande si on, plus on descend vite, plus le pourcentage est important de se fouler la cheville, des trucs comme ça. Attendez d'abord. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de bestioles. Ok. Par contre, il y a des corbeaux. Si, 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 il y en a. Encore une fois, il m'a senti. Man, all I can think about is food. T'es sérieux? Tu t'en fous de ma viande? Merde! Je crois qu'il en a mangé. Ouais, il est en train de partir. Il a mangé un de mes leurres. Et il est parti. Alors, on devrait garder le fusil sur nous. Ouh, cool, cool. On peut dormir ici, hein, si jamais on a des problèmes. Par contre, il y a pas mal de bois ici, parce que c'est dans ces endroits-là, voilà, il y a des chaises, des trucs comme ça. Donc, honnêtement, à 45 minutes, on le fait. Et on peut dormir ici parce qu'on a assez d'eau et on a assez de nourriture. J'ai pas fait celle-là, je crois. I would eat anything right now. Crippa, crippa, crippa. Regardons en dessous. Ah, vieux sac de couchage, oui, c'est pour le. C'est pour le découper. Alors dans le jeu, bah tiens, vu que on a là on a un vieux sac, on peut pas l'utiliser hein, le vieux sac, on peut pas utiliser le vieux sac de couchage. Mais alors il y a un truc que j'aime pas trop dans ce jeu, et c'est vraiment le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est les sacs de couchage. Alors toi attends, t'es un peu moins chaud. Mais tu es plus... T'es moins lourd, tu résistes plus à l'humidité et au vent surtout. Ouais. Non, c'est pas grave. On va le garder quand même parce qu'on va le ramener chez nous. Alors attendez, parce que là, s'il y a un look... Et... Alors oui, pour les sacs de couchage en fait. Alors moi à un moment, j'avais combattu un ours. J'avais combattu un ours. Attendez, hein. Je me concentre un peu parce que on n'a pas trop de visibilité. Et les loups, ils peuvent se cacher un peu n'importe où. Donc je fais attention, je regarde s'il n'y a pas des objets.
aux alentours. Ok. Et le sac de couchage, alors c'était un ours, donc si vous avez une peau d'ours, vous pouvez faire un sac de couchage. Comme là, par exemple. Là. Et je l'ai fait, c'est même deux peaux d'ours. Je l'ai fait, boyau et tout, c'était super long, c'était méga long à faire. Vraiment chiant. Et en fait, il perd des pourcentages avec le temps. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment chiant. Ah, on est trop loin, fais chier. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment chiant dans le sens où c'était même pas, comment dire, très réaliste. Donc c'est quasiment inutile en fait le sac de couchage. Parce que vous voulez l'économiser, le truc en fait. Le problème c'est que vous voulez l'économiser. Et mais même en l'économisant, il perd des pourcentages quoi. Et je crois que pour le réparer c'est extrêmement chiant. Je crois qu'il faut une peau d'ours pour le réparer. Je suis plus trop sûr mais je suis quasiment sûr qu'il faut une peau d'ours. Donc, ah, un ouvre-boîte. Donc honnêtement, c'est vraiment chiant. J'étais vraiment dégoûté hein, la fois où j'avais fait un sac de couchage. J'étais vraiment, vraiment dégoûté. Alors, elle commence à avoir du mal à bouger, parce qu'on a beaucoup de bois, ce qui est bien dans un sens. Ouais, on a trouvé des très très bons objets. On a trouvé des très très bons objets. Zone piégée, cabane. Non, c'est plus haut, c'est là. Man, I'm not sure I can carry much more. Oh mince! Merde. Ah. Excusez-moi, faut ressortir. L'habitude, j'ai appuyé sur la touche d'interaction. C'était la souris qu'il fallait appuyer. Et du coup, j'ai posé mon leurre. Pardon. Waouh. J'ai jamais vu ça, par contre. Ça doit être nouveau, ça. Des cadavres comme ça. Ouais, non, ça, c'est complètement nouveau. En 200 heures, j'ai jamais vu ça. Genre un cadavre comme ça sur un matelas, non. On fout un peu les boules. Je pense qu'on va rester là pendant la nuit. Ce que je pensais, c'est pas grave. On peut dormir là. On va dormir avec le cadavre. On peut manger. Y a pas de problème. Ça, on va le garder de côté. On a des massettes et on a ça et des massettes. On a du bois. On a trouvé le pied de biche. C'est très très important d'avoir un pied de biche. C'est cool. Vraiment content. Il va falloir retourner à la cabane du trappeur. Il va falloir retourner à la... Comment ça s'appelle? Au chantier. Non, au barrage. On a eu des chaussettes. Des nouvelles chaussettes. Très bien.
faire un peu attention à notre vie. Ok, cool, bien, bien, bien. Ça, pas besoin de le réparer parce qu'on va le jarter un moment, je pense, vu qu'on va faire le machin en peau de... En peau de lapin. Ok, on est bien, on est bien. Très bien. Voilà. On va dormir. Juste pour l'épuiser encore plus. Ok. Bah, je pense que tout ce... franchement, on a du bon... On a pas mal de trucs. On a des très très bons objets. On va pouvoir rentrer. On va pouvoir dormir longtemps et rentrer. Enfin, dormir le... Ce qu'on peut. Et on rentre. Et on rentrera. Voilà, très bien. Un peu de massettes. Ça va, ça s'est bien passé. C'était un peu, c'est un peu dangereux parce que là, comme j'ai dit, on n'a pas assez de vie. Là, on, là vraiment, on frôle un peu la mort à chaque fois. Mais bon, comme j'ai dit, c'est l'intrus. Il faut un peu des fois se faire violence et voilà quoi. C'est normal de faire ça. C'est complètement normal. Donc voilà, on est obligé. Faire 10 heures. Elle va pas dormir 10 heures, je pense pas. Elle est pas assez fatiguée. Mais voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. I could eat anything. Et nous nous levons. Enfin, réveillons même. Ok, on a encore assez d'eau. On va bientôt faire jour. On est en pleine forme. On a encore un peu faim. On a récupéré quasiment 50% de notre vie. C'est pas mal. C'est pas mal. Je crois avoir laissé des choses par terre. Je sais plus. Je sais plus si on avait laissé des choses par terre. J'ai fait une petite pause entre temps. Apparemment, non. Ok. Je fais juste un récapitulatif de l'inventaire. Je pense qu'on va rentrer pour poser tout ça en fait, genre le pull, le cuir, tout le bois. Je pense qu'on va y aller. Okay. Bon, on est sûr que j'ai rien oublié. Je sais pas. J'ai fait une pause entre temps et j'ai complètement perdu ce qu'on était en train de faire. Non, bah c'est pas grave, désolé, ça m'arrive de temps en temps. De toute façon, si jamais on a oublié quelque chose, on repassera. C'est pas vraiment grave, grave. Là. Par là. Oui, par là, par là. Je me rappelle, oui. On était descendu là, ouais, ok. On est bon. On monte. Par contre, il fait assez froid. Hein. Arrête de faire autant de bruit, j'entends rien. Merci. On va rentrer directement à la maison. Pour déposer le surplus. Et le temps qu'on arrive à la maison, de toute façon, il fera sûrement déjà un peu plus jour. Et on récupérera, je pense, quoi. Il manque un peu d'eau, peut-être de la viande. J'ai peut-être en tête d'aller au barrage. Parce que c'est vrai que maintenant, on a le... on a récupéré le pied de biche. Donc à la limite j'ai envie d'aller faire un tour au barrage comme j'avais dit pour couper des choses en métal. Et du coup bah ouais quoi. Comme ça on a déjà
les morceaux de métal. Feel thick. Comme ça sera, ça te fait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça on peut déjà le barrer de la liste. On récupère des morceaux de métal tranquillement. Et on n'aura plus besoin de le faire. Et aussi il y a les... comment ça s'appelle? Attendez. Les casiers qu'on ouvrira avec le pied de biche. Ouais, on va faire ça. Par contre, il va falloir qu'on se réchauffe. Damn it. So hungry. On va peut-être dormir au barrage. On va peut-être dormir au barrage. Alors par contre, où est-ce qu'on va passer? Je dirais qu'on passe par le lac. Alors le plan, ok. Je dirais qu'on va passer par le lac. Est-ce que les maisons, vous savez les maisons qu'on a fait au début du lac, il n'y avait pas des containers aussi à forcer avec un pied de biche? Je ne me rappelle plus de ça. Je pense pas. Voilà. Faut qu'on fasse cuire la viande. Ok. Par contre, on a 14. D'accord, je vois que dalle. Je sais que j'en avais mis là. Parce qu'en plus, il va faire jour dans pas longtemps. Donc ça sert un peu à rien de... Parce que j'ai pas quelque chose à faire plutôt. C'est embêtant ça des fois. Là je me retrouve vraiment à avoir des problèmes en fait pour passer le temps. Ouais. J'ai rien à faire. Ça vous dérange pas si on reste une ou deux minutes dans le noir? Ah, c'est bon, on est devant l'établi. On va rester une ou deux minutes dans le noir, le temps que le soleil se lève. Ça, qu'est-ce qu'on peut jeter? Enfin, qu'est-ce qu'on peut déposer surtout? On a 22 charbons. C'est vrai que ça pèse lourd, ça aussi, hein, normalement. On va monter. Là, je crois que j'avais mis... voilà, très très bien. On va mettre ça. Tac, 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 tac. Ok, il nous faut plus de lapins. On avait dit... Ouais, on avait dit ça. Il nous faut plus de lapins. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de bois, donc du coup on va tout remettre. Plus de lapins pour... je sais plus ce qu'on voulait faire en premier. Les moufles, je crois. Et après, il nous faut... Combien on va en jeter? Voilà. Et après... Bah c'est à peu près tout en fait. J'essaye de me rappeler en fait ce qu'on a, qu'on a à faire. J'ai plus de mémoire moi. On a fait ça, c'est bon. Ouais, il y a juste à cuire la viande. Ça va falloir le faire. On le fera, bah, on peut le faire maintenant, mais on va pas le faire maintenant. Ok. Je pense qu'on va manger un bout et dormir. J'avoue que je consomme beaucoup de viande. Hein. J'avoue que je consomme beaucoup de nourriture. On a ça à cuire, on a ça à cuire.
J'avoue que on n'est pas vraiment, comment dire, on se rationne pas des masses. On va récupérer de l'eau, si j'arrive à la trouver. Étagère. Attendez. Voilà. J'avoue qu'on se rationne pas des masses. Ok. Je suis d'accord avec ça. On fait pas vraiment trop attention à notre nourriture. Mais bon, c'est pas extrêmement grave pour le moment. Vu qu'on se balade beaucoup, voilà. Vu qu'on se balade beaucoup, du coup on perd beaucoup de vie, donc il faut souvent la récupérer, la vie. Faire 3 heures. Elle va être en pleine forme de toute façon, je pense. Ah, très bien. On va prendre une deuxième bouteille. On est lourd. On est déjà à 24 kilos, pourquoi ça? Ouais, bon, on y va. Donc, ce qu'il nous faut, c'est... c'est à peu près tout, en fait. Bon, il fait quand même un peu froid. C'est à peu près tout. On n'a pas vraiment de sélection à faire. Si on trouve... Bah, là, notre but, ça va être de retourner au barrage et de récupérer des morceaux de métal et tout ça, et passer un peu le temps. Comme ça, on aura fait ça. Mais si jamais on trouve des lapins sur la route, on prend les lapins. Si jamais on trouve quelque chose, bah, on prend. On prend, quoi. Peut-être pas... On n'a pas besoin de faire attention, quoi. 4 pierres, ok. Je voudrais bien dessiner par contre, mais il fait froid. On va passer par là. Non, oh, il fait de plus en plus froid en plus. Rivière accès sud. Okay, très bien. Alors faire attention ici. Ça a l'air tranquille. Il y a toujours un troisième loup hein, qui nous manque. Hein. Au passage. Hein. Toujours ça. Hein. Ça m'embête vraiment. Je pense aussi qu'on leur a bien fait peur. Au loup. Parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Quoi. Il n'y a plus de meute. Évidemment, c'est au moment où je dis ça qu'on entend un loup, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Oh, exact, à cet endroit. C'est vrai. Exact. Un sac de couchage. This stuff will come in handy. What?
Ah ben putain, je pensais pas en trouver un. Allez, dépêche-toi. C'est vraiment con ce que je fais. Getting weak. Allez, on rentre. Curiosité va me tuer. Je perds trop de temps. Allez, on rentre au barrage. Donc là, il y a un cerf, il y a une peau qu'on pourrait récupérer. Après, je sais qu'on a des cerfs par là-bas. Oh, non, me dis pas que c'est tout plein de bois. Oh, je crois qu'on a de la chance là. Vous savez, les bois pour faire des flèches et pour faire des arcs et tout ça. Oh la vache. Là, on a de la chance. Alors un truc que j'ai pas fait par contre, c'est faire attention au pourcentage de ma scie. Normalement ils sont à 80 et quelques. Mais le problème c'est que c'est possible qu'on l'abîme un peu trop. Ça. Quoi ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? On est bon. Ah yes, on a les outils simples ici. Oh, ça va, on pourra réparer la scie si jamais on a un problème. Ça valait le coup, hein. Hein, ça valait le coup ou pas? Honnêtement. Alors... on a un sac de couchage. Waouh, ça c'est vraiment cool. Par contre, on va le déposer pour le moment. Mais on a un sac de couchage qui est en très très bon état. Par contre, je me rappelle plus ce qu'il faut faire pour les réparer. 45 minutes de tissu. D'accord. Waouh, 10 tissus ça donne de le de détruire. Pas mal ça. Ok. Ça c'est bien, on a une balle ici, ça on va le déposer, putain on en a 5, ça tue. Ça c'est vraiment ça tue par contre. Et on va faire pareil avec le lapin. On va au moins enlever la peau. C'est 40 minutes. Non, c'est bon. Voilà, très bien. Ok.
Mais bon. Ah, j'aurais dû me baisser. Merde. Aïe aïe aïe. Ok, on est bon, on est bon. Rien qu'avec les carcasses de cerfs et tout ça qu'on a trouvé, on peut vraiment déjà commencer à faire des vêtements. Enfin, pas faire des vêtements directement, mais je veux dire qu'on n'a pas besoin de chasser rien. Donc c'est bien. Alors ce que je voudrais faire au barrage, c'est regarder les casiers qu'on n'a pas pu ouvrir, parce que je suis quasiment sûr qu'on a loupé des casiers. Et après, on se casse. Parce qu'à la limite, on va peut-être pas couper ici. On va peut-être pas couper du métal ici, mais on va peut-être couper du métal dans les bungalows. Enfin, je sais pas trop, en fait. On verra. Pour l'instant, il fait jour. Ok. Là, je crois pas qu'il y en ait. On a fait cet endroit ? On a fait cet endroit. Ok, maintenant... Là. Ça fait beaucoup d'aventures hein, pour ouvrir, pour tester seulement, pour vraiment juste faire quelques casiers, mais encore une fois, manque plus qu'on ait un peu de chance et qu'on tombe sur du genre une boîte d'allumettes. Non, c'est pas par là. Tout vaudra le coup en fait, donc ouais. Faut le faire quoi. C'est par là. Ah, si on peut le faire, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Parce que bon. Ou alors un bon vêtement, ou alors quelque chose comme ça, quoi. Passer par là. Oh. Ah bah tiens, je savais pas qu'on pouvait récupérer des objets ici. C'est pour ça que je suis pas monté la première fois qu'on est venu au barrage, parce qu'honnêtement, je pensais qu'il y avait rien. Enfin, rien que d'être passé par l'extérieur là. Oh, putain, avance. Où c'est qu'on a vu la carcasse, par exemple, du cerf. On a récupéré quoi? On a récupéré une balle. Bah, enfin, une balle, c'est une balle, quoi. C'est pas de la merde. Donc, rien que ça, ça vaut le coup, dans un sens. Rien que ça. Après, je sais plus s'il y a encore des casiers qu'on n'a pas pu ouvrir. Après, je m'en rappelle nettement plus. Cette atmosphère. Alors la scie va vite s'abîmer si on fait des grosses choses, quand même, faut l'avouer. Mais par contre, on a bien fait, c'est de laisser
une caisse au mobilhome. La caisse va permettre de réparer la scie. Alors si je me, si je dis pas de conneries, 2h20. Si je dis pas de conneries, vous avez besoin de morceaux de métaux pour la réparer, genre un, je crois à chaque fois. Ce qui est un peu bizarre dans un sens, parce qu'on utilise la scie pour récupérer du métal, mais on utilise des morceaux de métaux pour réparer. C'est contradictoire, mais... Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Vous avez vu, ça descend vite. Hein. C'était à 66%, maintenant... 61. Donc faut pas la casser, quoi. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait un bidet ici. C'est pas un bidet, hein. Un lavabo. Je sais pas, ça me paraît étrange. Il n'y a plus de... Ouais, non, il n'y a plus rien. h 20 pour la chaise. Alors, deux... après, il faudrait calculer combien de temps ça met. Là, on a 2h36. 2h24. Attends, 2h20 et de combien là? 2h30. Et là on en a deux de plus, donc ça, ça serait mieux. Et on a du tissu. Par contre, on a un tissu là et on a deux tissus. C'est tard ou pas? Il devrait faire encore jour. Ok, on y va. 56, ok. On va pas tarder parce que sinon on va se, on va être bloqué ici dans la nuit. Je n'ai pas envie de rester ici dans le noir. Ben sinon, hein, rien de bien spécial. Hein. Là, on va, là, on fait pas grand chose d'intéressant. On se balade, on récupère des morceaux de métaux. Sinon. En général, ben, de quoi je pourrais te parler? On peut faire la... Ah oui, c'est un banc, ça. Pas mal, pas mal. Tissu, trois tissus, bien. On va peut-être se bouger, parce que je veux pas sortir la lampe. Donc on y va. Maintenant, par exemple, sur ma chaîne Twitch, j'ai des émotes avec... avec une mascotte et tout ça. J'ai demandé à un artiste de... Alors attention, hein, comme j'avais dit, là c'est le moment où on fait pas grand chose d'intéressant. Parce que j'ai déjà expliqué le plan, ce qu'on va faire. Je vais pas vous dire, passer mon temps à dire « Eh regardez, je prends la scie et je découpe un morceau de métal. » Hein, on a, vous avez compris. Hein. Non, maintenant je vais parler un peu des trucs qui me passent par la tête, le temps qu'on fasse tout ça. J'ai peur qu'elle commence à tituber parce qu'on est vraiment bas en vie. Faudrait que j'apprenne exactement à quel moment elle titube. Qu'on est vraiment bas en vie. J'ai un peu peur de ça. Mais bon, on va aller au mobilhome où on peut dormir. Donc on va être bon. Donc ouais, je voulais des émotes assez intéressantes que les gens puissent utiliser pour... je voulais les faire... je voulais les faire... Comment dire? Genre mignonnes. Ça, c'est pas vraiment le bon mot, je pense. Genre intéressante à utiliser. Et jolie et tout ça. Et honnêtement, moi, je peux pas, je suis pas un artiste hein, pour ça. Dessiner, je le faisais il y a 15 ans, dessiner. Hein, mais, après, j'ai touché aux jeux vidéo, donc du coup, bah voilà. Maintenant, je joue. À la place d'être un artiste. J'ai complètement gâché ma vie, c'est pas grave. Et du coup...
Donc j'ai demandé à un artiste. C'est une américaine. Nyx. Elle est vraiment vraiment cool. Et j'avais en tête de faire une mascotte d'abord en fait pour ma chaîne, donc pour ma chaîne Twitch surtout. Et après tirer des émotes, non c'est pas par là, tirer des émotes de la mascotte. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc et franchement je suis assez content de ce que ça a donné. Et les gens aiment beaucoup hein, les émotes surtout, je suis assez surpris. Enfin pas... J'espérais, pas surpris, mais j'espérais vraiment que les gens les aiment. Et de ce que je vois, les gens les aiment, parce que il y a beaucoup de spam, d'émotes et tout ça. Ah, ça, je trouve ça plutôt cool. Quand vous voyez un chat qui commence à spammer les émotes que vous avez mis, c'est cool, quoi. Est-ce que avec ce temps, il fait... Je dirais oui, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est compté comme s'il faisait beau temps et on peut faire du feu? Ouais, ok, non, c'est bon. Quand vous voyez bleu clair comme ça avec des rayons de soleil, de la lumière, ouais, c'est compté comme... Parce que là, il n'y a pas vraiment le soleil, en fait, qui tape. Donc, en théorie, on ne devrait pas vraiment pouvoir faire du feu, mais ça compte. Et du coup, ouais... Ah, vraiment très très heureux des émotes et tout ça. Ah, il fait pas très froid. Putain de merde! Oh la vache, le bon qui m'a fait faire ce con. Il est là. Attends. Ok, on reset le truc. On se prépare mentalement pour combattre. Alors, vu qu'il faisait pas froid, en fait, j'avais dans l'optique de... Ah, fait chier. L'optique d'aller récupérer la peau du cerf. Mais vu qu'il y a le loup, on va en profiter. Alors, on va déjà poser ça, parce que sinon, elle va poser... elle risque de poser la bonne viande, on n'a pas. Ok, bois... à la limite mange ça pour qu'elle ait pas faim et comme ça voilà elle visera mieux. Ok, on est bon, c'est parti. Fouf, 1, 2, 3, go.